La musique majestueuse, d'une sonorité vive et homogène, qui nous accueille à l'église Sainte-Aurélie, nous invite à faire plus ample connaissance avec l'orgue Stier & Mockers de Bischofsheim. Cet instrument de musique fascinant et d'une grande valeur est niché sur la tribune, au fond de l'église. Il se présente sous les traits d'un immense meuble garni de beaucoup de tuyaux qui résonnent au toucher de l'organiste. Alors que l'histoire de l'orgue est déjà vieille de plus de 2 millénaires, à l'église de Bischofsheim, un orgue résonne depuis 260 ans. En effet, en 1746, le facteur d'orgue strasbourgeois, Jean-André Silbermann, y a installé un petit orgue sans pédalier. 100 ans plus tard, Bischofsheim décide d'acquérir un orgue digne de son église, qui venait d'être agrandi. La commune en passe alors commande à l'entreprise Stier & Mockers de Seltz. En plus d'un siècle et demi de bons et loyaux services, l'orgue a été quelquefois réduit au silence. En dernier lieu, en 1992, le temps d'une restauration devenue urgente. Au nom de la paroisse et de l'association des amis de l'orgue Stier & Mockers, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue en notre église Sainte-Aurélie, en ce 1er avril très ensoleillé. J'espère que vous avez quand même profité de ce soleil pour aller faire une bonne promenade avant de venir ici écouter de la musique, prendre plaisir à cette veillée musicale de carême que nous vous proposons. Je voudrais saluer toutes les personnalités, amis, les confrères qui sont venus nous rejoindre cet après-midi. Je me dois d'excuser le président Francis Armbruster. Il est dans un état un petit peu plus sérieux que le mien. Moi, je n'ai pas beaucoup de voix, mais lui, il a un manque de souffle très important. Et il est privé de concert, malheureusement. Mais nous savons qu'il est entre de bonnes mains. Madame Armbruster, vous le soignez bien. Et je vous charge, au nom de toute cette assemblée, de lui présenter nos meilleurs vœux de prompt et surtout de bon rétablissement. Il se dévoue avec toute l'association pour que la restauration de cet orgue puisse se faire, pour qu'on puisse le découvrir un peu plus, pour que les choses avancent. Il prend beaucoup de temps et il exerce, et nous avec lui, une grande vertu qui est la vertu de patience. Les travaux de l'orgue sont inscrits au budget de 1990. Monsieur le maire sourit. Mais pour le moment, nous ne savons pas encore quand auront lieu les travaux. Nous espérons que ce sera le plus tôt possible. Michel Hilde, notre organiste, celui qui est le maître d'œuvre de beaucoup de choses, pour cette restauration de l'or. Merci à toutes et à tous. De nos jours, on peut entendre l'orgue jouer. Lors d'une présentation de l'instrument, à des mélomanes ou des visiteurs qui souhaitent le voir et l'entendre. Lors des concerts organisés par les amis de l'orgue, Stier & Mockers de Bischofsheim. Généralement avant Noël et avant Pâques. Et beaucoup plus régulièrement aux offices religieux, c'est-à-dire aux messes dominicales, enterrements et mariages. L'orgue résonne alors pour donner aux cérémonies religieuses plus de recueillement, plus de profondeur, plus d'éclat aussi. Il accompagne le chant des choristes et de l'assemblée. L'orgue résonne aussi en semaine, même lorsque l'église est fermée. C'est alors un organiste qui pratique son art ou un apprenti organiste qui cherche à se perfectionner. Comment se présente et fonctionne donc ce bel instrument? Il est comparable à d'autres instruments avant, par exemple la flûte ou le fifre. Mais alors que s'épuise le souffle du flûtiste, thank you.
que s'éteint la percussion de la timbale. Que meurt la vibration de la corde. Par son plein jeu inimitable, l'orgue nous ravit autant qu'un orchestre symphonique. Pour décrire sommairement cet ensemble autonome, nous pouvons lui donner un corps et un visage. Toute la partie extérieure de l'orgue, celle qu'on voit, s'appelle le buffet. Il est garni de tuyaux. On en voit 67 en façade. Le buffet est en bois de chêne et se signale par sa construction très géométrique et la sobriété de son décor. C'est un buffet-caisse. Sur d'autres orgues, les buffets sont flanqués de tourelles ornées de sculptures, surmontées d'entablements et d'écussons. Quelquefois, surtout chez nos voisins allemands et suisses, ils sont peints en polychrome. Le buffet est constitué de trois étages. À sa base, le massif ou soubassement, sur lequel reposent les deux autres étages. Au milieu de la façade, placée en fenêtre, se trouve la console des claviers, dont l'organiste actionne les touches pour faire sonner les différents jeux. La console comporte trois claviers manuels de 54 notes et un pédalier de 25 notes, à touches plus larges actionnées par les pieds. Chaque clavier correspond à un plan sonore. De part et d'autre des claviers, des boutons appelés tirants de registres permettent de choisir les jeux sélectionnés. Ils sont surmontés d'étiquettes aux noms surprenants, salicionales, Nazar, Gamme d'amour, Ophicléide, mais aussi de noms plus connus, basson, hautbois, flûte, clairon, etc. Sur le soubassement repose l'étage du grand orgue. Les 67 tuyaux apparaissent dans les 5 plates-faces de la façade. On les appelle tuyaux de montre. Les tuyaux de montre d'origine ont été réquisitionnés en 1917 par les autorités allemandes. Une nouvelle montre en étain pauvre fut livrée en 1923. À la faveur de la restauration de 1992, fut mise en place l'actuelle montre dont les tuyaux étincelants ont été réalisés gracieusement par M. Marcel Klein de Bischofsheim. Au troisième étage se trouve le positif, ainsi dénommé parce que, à l'origine, un positif était transportable et posé à même le sol. C'est un second orgue, réplique en plus petit du grand orgue du deuxième étage. Il est commandé par le troisième clavier et constitue donc le troisième plan sonore.